a cette fille en section littéraire. Elle porte des hauts en tissu avec des motifs. Elle a un jean évasé et quand il pleut, son jean est mouillé au niveau des talons de ses converses. Elle a une grande pochette à dessin sous le bras. Elle aime fumer des roulés avec son gros pot de camel, c'est pour économiser. Elle a un grand carré indien voilé au-dessus de son lit avec des motifs qu'elle comprend pas vraiment. Quand elle l'a acheté, elle s'est dit « Avec ça, j'aurais l'air cool. » Elle a un copain depuis 6 mois. C'est le couple modèle, même si elle sait pas encore qu'elle a jamais eu d'orgasme. Elle revient avec une tresse indienne après les vacances d'été. Elle s'appelle Sarah, Coralie ou Ludivine. Elle est pote avec les Rastas et a un double piercing à l'oreille. Elle lit pas la presse féminine, ou plutôt Proust, Baudelaire ou Céline. Des manifs étudiantes parce que c'est important de se battre pour ses droits. Elle connaît par cœur les chansons de Brel, de Brassens. Elle connaît par cœur les chansons de Brel, de Brassens. À côté d'elle, il y a Clément. Clément, il lave plus ses cheveux depuis 12 mois. Il veut qu'ils aient une belle couleur bien sale. Avec ses potes, ils écoutent du Bob Marley ou du Ska. Il a un écarteur dans l'oreille gauche, mais il n'est pas encore arrivé à la taille de trou qu'il aimerait avoir. Ça fait chier ses parents, hein. Mais bon, je crois que c'est le moment parfait pour faire chier ses parents, non? Ah ouais. Ça sert à ça, les parents. Ça sert à les faire chier. Je voudrais dérouler aussi. Clément croise Guillaume et sa bande, t-shirt noir, jean noir et chaussures noires, une chevalière au doigt qu'il a eu du mal à se payer, mais qui fait toute la différence dans son style. À loin d'eux, il y a les sportifs, et devant eux, il y a Théo et Laetitia qui tiennent sous leurs bras leurs planches de skate, plus qu'ils n'en font vraiment. Mais bon, le plus important, c'est de sauver les apparences, non? Bah ouais. Il s'agissait que de ça à l'époque. Sauver les apparences, il n'y avait que ça, il n'y avait que des apparences. J'y ai cru. Et puis, il y a ces deux gars qui marchent côte à côte. À eux deux, ils sont deux groupes de 1. Le groupe de ceux qui ont leur délire que personne ne comprend, des geeks, des nerds ou encore des bouffons pour certains. Plus tard, ils seront certainement juste de simples gars sans histoire. Toujours potes, leurs mêmes anecdotes de jeux vidéo, de garoulous dans la cour de récréation, de mauvais comme de bons moments, de goûter chez l'autre. Ouais, à 16 ans, on fait encore des goûters. Mais quoi, c'est cool les goûters. Ça se trouve, c'est ça l'amitié. Les bons goûters. Chaque personne dans cette cour de récréation a son importance du moment, leur truc sacré fondamental dans leur vie, le problème insurmontable à franchir du moment. J'y arriverai jamais. Des trucs importants qu'ils oublieront avec le temps qui passe. Dans pas longtemps d'ailleurs. En attendant, c'est juste des jours qui recommencent pour eux.